Bonjour à tous, donc nous revoilà sur BioShock Infinite pour le quatrième épisode du Let's Play. Nous en étions arrêtés la dernière fois après avoir massacré une vingtaine de PU fanatiques des corbeaux. Hein? Faut être honnête, hein, il y avait des corbeaux de partout. Le mec il a disparu au milieu d'une dizaine de corbeaux, donc j'imagine qu'il. Ils sont fans de corbeaux et de la politique complètement débile de Comstock. Nous nous étions arrêtés juste après avoir fait le massacre, avoir pillé un peu le côté. Hein. On soupçonne la Donc on va continuer à tout piller. violente. Les choses ont vite. La radio, je m'en fous. L'anarchiste a cruellement blessé un groupe de pacificateurs de Columbia avant de s'armer et de décharger son arme sur une foule d'honnêtes visiteurs. À l'heure où je vous parle, Y a rien de. Ouais, si, y a rien. Y a rien du tout. Près de 8 citoyens parfaitement vertueux de Columbia. Cet homme est terrible. Odemus Patria Nostra Defendere. Désolé, je ne connais pas la traduction. Je ne suis pas un professionnel en ce qui concerne le latin. Un distributeur, il a rien. Mais alors, donne-moi des thunes. 8. Et un corps des corbeaux. Non mais. C'est une manie les corbeaux dans ce pays. Bon alors, il faut aller par là-bas. Donc je fouille. Il y a un truc là, une place. Oh, du sang par terre. Une espèce de salle d'interrogatoire. Hein. F, voir l'équipement. Le prendre. Alors l'équipement c'est ici. Et le délai de recharge du bouclier diminue d'une seconde, multiplie par deux la vitesse de recharge du bouclier. D'accord. Oh, on dirait une salle d'interrogatoire. Ou une salle d'interrogatoire, les deux à la fois. Allons voir de l'autre côté. Ah, Vox, ça fan. Sainte mère de Columbia, pourquoi vénérons-nous trois symboles en votre honneur? Nous vénérons l'épée pour que nous puissions vous venger. Nous vénérons le corbeau pour que rien dans la ville n'échappe à son regard. Nous vénérons le cercueil parce qu'il représente le poids de notre échec. Ouais, c'est ce que je pensais, c'est des fanatiques. Des fanatiques religieux assoiffés de sang. Oh, la bonne musique. C'est sale. Ce mec est très sale. Bon, bah on va aller tout droit. Hein. Pitié pour nous et pour vous. Pas de TP derrière moi, toi. Ouais, mais je m'en fous de ça, je le sais déjà.
Ah mais il est tellement évident ce boss que c'est juste n'importe quoi. Vous n'en parlez pas la peine. Waouh. C'est même plus où il est là. C'est quelque chose ce truc là. Oh les gars, il avait un tonique pour contrôler les corbeaux. C'est peut-être pour ça en fait. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Ouais. On va le tester, hein. Hey, c'est la mort à coup sûr. Ça, c'est ça, là. J'aime bien les exécutions de cette arme au corps à corps. Ils sont plutôt jouissifs. Hein. Jouissifs. Chapeau à le brûlant. 70% de chance d'enflammer les ennemis au corps à corps. Vous infligez 300 points de dégâts en 4 secondes. Eh, c'est pas mal. Je veux. Oh. Équipement, bah il est équipé, hein. C'est plutôt pas mal. Le distributeur, il est tout crassé. Le faux berger, cet anarchiste, est soit un mulâtre de petite taille, soit un français borgne d'environ 1 mètre. Je dois pouvoir rejoindre Monument Island depuis cette station. Alors, comment ça marche? Comment ça marche ce truc? Ah d'accord, en fait, je regarde la mauvaise chose. Hop là. Il a l'air d'avoir rien. Là, par contre, il y a des chances d'avoir quelque chose. Santé, je suis déjà max, hein. Des sous-sous. Encore des sous-sous. De quelle couleur sont ses yeux? Bleu. Non, vert. Oh, je ne sais plus. Il avait les yeux plus grands que ça. Il mouchait. Bien. Vous vous rappelez de la couleur de ses cheveux? Il était... Roux et... Roux. Ah ouais, ça crame. Ah ouais, pas mal. Par contre, je ne peux rien récupérer derrière. C'est un peu chiant. Hein. Je vais être honnête. Hein. Moi, j'aime bien piller les cadavres. Ah, toi, t'es une traîtresse, voilà, t'as essayé de nous dénoncer, bah voilà, voilà. Voilà ce qui arrive quand on essaie de nous dénoncer, hein, on meurt. C'est bête, mais c'est comme ça. Hein. On dirait qu'il souffre à chaque fois qu'il le fait. Ouais! Une munition. Il me reste 5 balles. Ça fait vraiment pas grand chose. Hein. Bon allez, j'en ai 17 maintenant. Bon, et ben on va s'arrêter là. On va profiter de ce changement de zone pour... Nous arrêter.
Donc, si vous êtes gentil, vous allez like la vidéo, vous allez vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez mieux nous connaître, vous pouvez aller, aller sur notre site qui sera dans la description de la vidéo. Et c'est tout. Sur ce...